Oh là là, nous avons une femme dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, salut à tous et à tous, soyez les bienvenus, viewers ou abonnés. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro, je ne sais plus, je crois, 23 de Sims 4 avec du nouveau contenu. Et oui, du nouveau contenu, alors lequel? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Alors, du nouveau contenu avec le nouveau pack DLC Fête de fin d'année qui a été délivré par Origin et Electronic Desert. Donc je les remercie énormément pour ce nouveau DLC qu'ils nous ont offert gratuitement en libre téléchargement sur le site d'Origin, que vous pourrez retrouver pour ceux qui ont le jeu. Vous pourrez télécharger ce nouveau DLC gratuitement que Origin et Electronic Desert nous offrent. Donc profitez-en, prenez-le, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il contient de nouveau, qu'est-ce qu'il ajoute, voilà. Et ensuite les amis, et oui, j'ai modé une demoiselle pour notre maison, car j'ai tenté tout à l'heure hors caméra, oui une fois, mais j'ai refait l'épisode déjà trois fois avant. Et pendant les trois épisodes que j'ai complètement foiré, j'ai essayé de tenter de draguer lui. Marie, lui, si vous vous souvenez. Et impossible, quand je vous dis les amis, impossible de faire quoi que ce soit, de réussir. Alors j'ai créé un personnage. Mais ça ne vous en faites surtout pas les amis, je vais vous montrer la création qui a été faite. En temps et en heure, je vous le dirai quand ça sera... parce que j'ai fait une petite capture entre temps, juste de la création, comme ça je pourrai vous l'intégrer et vous montrer la création, mais en mode accéléré bien sûr. À savoir. Ah, par contre, on va baisser un peu ça, c'est un peu fort, parce que je parle en temps beaucoup. Elle est dégueulasse, je lui ai pas mis ses traits. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait dans ce que je lui ai dit. Je veux pas vous dire les traits de caractère que je lui ai ajouté ou quoi que ce soit, parce que voilà, c'était pas terrible. Alors je l'ai créé aussi pour une simple bonne raison, mes amis, que j'en avais marre que notre personnage se retrouve tout seul comme un couillon dans sa maison, à rien foutre toute la journée, à tourner en rond sans demander. Voilà. Et ensuite, les amis, je voulais venir à des commentaires de Yuma. Donc, Yuma, je te remercie pour tes commentaires. Et oui, donc, grâce à toi, tu m'avais parlé qu'il y avait des pulls, il y avait des sapins de Noël. Alors oui, ça, tu avais bel et bien raison, hein, je confirme. Mais qu'en fait, ce qui n'était pas précisé, c'est qu'en fait, c'était un DLC. Et oui, parce que dans le DLC, les amis, nous avons plein de nouveaux contenus de fêtes de fin d'année, donc qui est en rapport avec Noël, mais je vais vous montrer, vous en faites pas. Donc voilà, donc moi je réponds à ton commentaire, excuse-moi. Donc voilà, tu avais bien raison, il y avait bien tout ça. Et donc je ne savais pas non plus, donc en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé que c'était ça en fin de compte. Donc merci à toi Yuma pour ton commentaire qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc nous les amis, alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui contient ce DLC. Alors pour commencer, je pense que vous le voyez déjà d'entrée de jeu, un beau et agréable sapin de Noël. Et oui, parce que vous vous souvenez, dans le précédent épisode, je cherchais un sapin de Noël que je n'avais pas trouvé malheureusement. Je ne sais pour X raison, je ne sais pas pour la raison pour laquelle je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, ils y sont dans ce pack. Tant mieux, car ça change un petit peu. Ensuite, nous avons des tables comme ça. Pareil, c'est tout le rapport avec la fête de fin d'année et des bougies. Mais ce qu'on va faire plus simple, les amis... Ah, mais là, c'est la compétence craft. Il y a atteint le niveau de la compétence malice. D'accord, alors on va contrôler Julia, les amis. Et oui, elle s'appelle Julia Falgi. Oui, j'ai pris directement son nom de famille comme ça. C'était plus simple à ce que on puisse directement quand on se mariera le nom du mari. Voilà, c'était plus simple parce que je sais qu'ils le font pas ça, malheureusement ils prennent pas le nom du mari, ça c'est bien con. Ouais, j'aurais bien aimé qu'ils mangent ensemble quand même, c'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, ils se connaissent peut-être pas beaucoup aussi, c'est peut-être logique. Il va falloir qu'ils apprennent à se connaître. Alors plus de choix, complémenter l'apparence, discuter des derniers jeux, plus de choix, complémenter sincèrement. Donc nous, ce qu'on va faire les amis, je vais les laisser manger et entre temps, durant le temps qu'ils mangent les amis, je vais vous montrer la création de notre personnage Julia. Donc moi je vous dis à tout de suite les amis, c'est parti. I'm gonna go.
Allez, mort, voici. Alors, les amis, j'espère que cette petite transformation vous aura plu, le temps de la création de ce personnage. Vous avez vu, bon, en mode accéléré, bien sûr, je comprends. Je l'ai fait parce que je voulais pas non plus prendre... Ça m'a pris, je crois, à peu près 3/4 d'heure pour pouvoir faire la création de ce personnage. Je ne l'ai pas fait à la perfection, je l'ai fait à la rapide, vous avez pu voir. Je l'ai fait à la rapide. Je l'ai fait un petit peu à l'arraché, on va dire, en quelque sorte. Mais voilà quoi, il a de la gueule. J'ai pris au premier coup qui me plaisait. Mais c'est surtout le caractère final qui m'intéressait. C'est très caractère qui m'intéressait le plus, les amis. Alors je propose qu'on danse avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Mais oui, il va, lui. Il va dormir. D'accord, il est fatigué, donc c'est bien dommage quand même. Bon, bah on va prendre notre Julia et on va y danser nous tout seuls comme des... comme des cons. Voilà. Ou alors on va l'entraîner au mixologue, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'ai bien envie de mettre le métier mixologue ou un truc dans le genre, si elle sait faire. Même dans le culinaire, je crois que c'est dans le culinaire, les amis, il me semble. Je ne sais plus du tout. Voilà. Bon, j'avais fait en mode accéléré, donc je vais vous présenter un petit peu aussi ces traits de caractère. Donc, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris en... point déjà de base, en objectif de base, c'est âme-sœur. Donc oui, bah, voilà, on veut l'âme-sœur, ce qui est logique, parce que c'est très important. Par contre, je n'avais pas vu qu'il fallait aller à deux rencarts, ça c'est con. Avoir un ami ou une petite amie, d'accord, donc avoir un petit ami ou une petite amie, oui, donc ça va pas être compliqué, on aura Raftouille, hein, ce que je l'ai fait au goût, à mon goût, pour voir qu'il puisse plus, on plonge un peu plus dans le jeu, voilà. Ensuite, devoir deux rencarts, ouais, ça peut être faisable éventuellement, pourquoi pas, on tentera ceci. On verra ça. Donc compétences, on s'en fout un petit peu. Nous c'est la simologie, les amis, qui va nous intéresser maintenant à la simologie. Alors, qu'est-ce que je lui ai mis? Bienveillant, les amis, vous pouvez voir. Bienveillante, c'est une demoiselle, donc il faut bien dire bienveillante. Je lui ai mis romantique. Et oui, que des points faciles.
proche de la famille, oui, parce que si on a des enfants, faut qu'elle puisse savoir s'occuper des enfants. Parce que je pense que moi, je vais plus m'occuper de Ratatouille que d'elle. Mais bon, j'essaierai de m'occuper un peu des deux, un peu plus l'un de l'autre. Je gérerai. Et j'ai mis séduisante. Alors, séduisante, qu'est-ce que j'ai mis en séduisante? Les séduisants ont plus de succès que les autres en amour, trait de récompense. D'accord, en gros, oui, j'ai mis en gros tout ce qui touche un petit peu au niveau d'amour pour que la drague soit plus simple et moins compliquée pour nous à draguer. Voilà. Parce que c'est vrai que si on se fait chier comme ça, là, tout le temps. Tous les éclairages. Est-ce que ça s'allume? Non, ça veut pas. Bon, bah tant pis pour toi, tu t'allumes pas. Alors, Ratatouille, par contre, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il dort, hein, je pense qu'il fait sa sieste. Il est samedi 20h17, on va essayer d'organiser une petite fête avec du monde. Mais alors avant d'organiser la fête, les amis, on va équiper la maison. Et oui, parce que, en même temps, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que cette mise à jour contient de nouveau. Et oui, parce que vous le voyez plus, ce que j'avais fait, comme je vous ai dit, en caméra qui avait complètement planté, bien sûr, toute la décoration, et ça a effacé tout le news qui était déjà noté. Donc, mais je sais c'est quoi, donc vous inquiétez surtout pas, on va reprendre depuis ceci. Voilà, donc on va aller dans objet par pièce. Et qu'est-ce qu'on avait eu? Alors les amis, nous avons eu, premièrement, décoration diverse. Alors qu'est-ce qu'on a eu en décoration diverse? Vous allez voir, maintenant. Non, je plaisante. Alors en décoration diverse, nous avons eu, comme vous pouvez le voir, les bougies qui sont ici, vous voyez, regardez. Donc les Kinara, voilà, Kinara célébré. Kwanzaa, ok, d'accord, avec ce bougeoir festif. N'oubliez pas d'allumer une nouvelle bougie chaque jour. D'accord, ok, on pouvait... j'aime bien celui-là, alors je vais le prendre, vous savez quoi. On va changer, parce que j'avais mis le menorah, les amis, en bougie. Et on va prendre le kenorah. Est-ce qu'on peut choisir la couleur? Ouais, bon, bah, vous savez quoi, il ne laisse pas bien le choix non plus. Donc, on va prendre celui-ci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tableau en liège à carte postale nombreux. Vous commencez à avoir trop de correspondances. Le tableau en liège, carte postale en nombre de correspondances aidera à vous gérer cette plus grande pile d'agrandissement. Ouais, ça peut être sympathique. Je sais pas ce que vous vous en pensez réellement. Moi, je trouve que ça peut être sympathique. Donc, oui, pourquoi pas. Distributeur de serviettes de papier moderne. D'accord. Ouais, pour la cuisine, regardez. Ouais, j'ai bien envie de le mettre. Je viens de remarquer qu'on avait ça. Vous voyez. On va le mettre comme ça, c'est fait. Et c'est plus sympatoche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu avec ceci? Nous avons eu le sapin de Noël, les amis. Sapin des fêtes. Sortez le sapin pour les fêtes de fin d'année. Ou n'importe quel moment. Voilà, donc ouais, je pense que je vais pas vous lire au complet. Vous avez vu. Et oui, il faut pas l'oublier. Notre ami le bonhomme de neige. Qui est tout nouveau. Qui fait partie du DLC gratuitement. Avec un bonhomme de neige compris dedans. Bon, ça reste qu'un accessoire, les amis. Stable, hein, je veux dire, il n'a pas de fonctionnalité, il bouge pas, ni rien du tout, mais il fait joli dans le jardin, regardez, je vous montrerai, de toute façon, vous inquiétez pas. Voilà, pour ce qui est des décorations, on n'a eu que ça. Ensuite, les amis, en toilette, et ben en toilette, nous avons rien, à part, toilette, rien, c'est vite dit, hein, en quelque sorte, les tableaux, voilà. On avait eu un tableau assez spécial, alors, est-ce que je peux vous le montrer, est-ce que je le retrouverai? Est-ce qu'il est dans cette catégorie là? Normalement oui, parce que les tableaux sont tous les mêmes. Non, non, ils n'ont pas voulu. Bon, tant pis. Alors je vous montrerai dès que je le trouve. Voilà, parce que apparemment ils n'ont pas l'air de vouloir me le sortir, les cons. Toise Félicie. D'accord, ok, c'est le truc qui ne sert à rien du tout. Et peinture rosée, d'accord. Toile de joie des fêtes, voilà les amis, c'est ça. Ah voilà, c'est une petite toile qui ressemble à rien, qui ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment, c'est con à dire, mais ça ne sert à que chier ou élou. Voilà. Alors, je viens de penser, vu comme nous sommes dans les périodes des fêtes, et tout ceci, tout cela, bon, enfin bref, on s'en fout un petit peu du reste aussi, c'est que j'avais envie de déplacer cette chenille, les amis, même la vente, carrément, parce que nous avons les enceintes qui sont là, et mettre carrément une cheminée là. Vu que nous sommes dans la construction. Ouais, en plus on est dans la catégorie des maisons. Alors comme ça, affaire est plus vite fait. Tant qu'à faire, on va mettre une petite cheminée. Ça serait sympathique et joli à la fois. Par contre, j'aurais bien aimé en blanc. Est-ce qu'elle existe? Non, elle n'existera pas. Putain, bien pour nous faire chier ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien dommage. Est-ce qu'elle irait bien? Ah non, je peux pas. Ah si! Regardez.
Et celle-là, elle est pas plus grosse en fait? Non? Non, elle est pas plus grosse. J'ai pensé. Non, elle est pas plus grosse non plus. Donc. Non, on a mis celle-là, elle est bien sympathique. Non. C'est bon pour cette cheminée. Décoration. Alors oui, qu'est-ce qu'on a eu en décoration les amis? Eh ben toujours pareil, le petit bonhomme de neige qui est là, regardez, on peut pas le mettre dessus malheureusement. Regardez comme il est. Il est sympatoche, il est mignon, hein, il est mignon, il est bien fait. Moi j'aime beaucoup cette petite décoration qui est très sympathique. Et personnellement, ça fait vraiment un petit charme en plus au niveau de notre petite maison assez sympatoche. Voilà. Alors par contre, en statue, les amis, je vais pas mettre un truc trop bourgeoisie comme vous pouvez le voir parce que ça m'intéresse pas non plus trop mettre des trucs trop bourgeoisie. Un petit lapinou, moi j'aime bien les lapins, vous savez, mais ça fait trop... non, en fin de compte, non, je vais pas mettre de lapinou. Ah. L'affreux gnome fantomatique. Oh. Ouais, pour une maison gothique, ça aurait été sympa, mais non. Nous n'avons pas de maison fantomatique, nous. Non, les amis, on va pas mettre ceci. Est-ce que je peux mettre autre chose? On va mettre ça, hein, des sculptures, mais quoi comme sculpture, je n'ai pas d'idée. Bord du jour, ok, ça c'est bien pour la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Panneau d'extérieur entreprise. Ok, bon, ok, le truc qui ne sert à rien du tout, encore une fois de plus. Je suis plein ce soir de... ça ne sert à rien du tout. Vous l'avez peut-être dû le remarquer. Bon, bah c'est pas grave, on va être obligé de se mettre ceci, les amis. Est-ce qu'on peut changer la couleur au moins? Ouais, sinon en blanc, moi il me plaît plus d'un coup là. Ah oui. Oui, il a l'air sympa en plus. Alors vous voyez, comme ça, ça fait bien l'affaire. Est-ce que ça c'est un peu trop gros? Oui, c'est un peu trop gros à mon goût. Mais ça, j'ai jamais vu ceci, ces objets. Est-ce que ce sont des objets qu'on a débloqués? Peut-être. Est-ce que ce n'est pas... Je n'en sais rien. On verra ça de toute façon. Ça c'est pour l'extérieur, donc non. Bon, bah, je pense qu'au niveau de ceci, on va laisser ça. On va mettre juste une peut-être une petite lampe. Style de chevet pour faire décoration. Lampe sur trépied, on s'en fout un petit peu. Lampe verte, ok. Ah, regardez, c'est... Mais c'est nouveau ça. On n'avait pas ceci avant. Bah non. Ah, sympa, mieux que cette merde là qui est là, qui est moche et qui ressemble à rien. Proprement vulgairement, je le dis, c'est mieux que ce machin qui est hyper laid. Et je sais pas pourquoi on l'avait acheté, mais je crois qu'on n'avait pas les moyens, je crois, pour acheter plus gros. C'est peut-être pour ça. Bon, bah on... Au moins, on saura maintenant qu'on aura des jolis trucs beaucoup plus sympatoches. Alors, en télé, par contre, non, ouais, on n'a pas excessivement de nouveaux. Même en table d'appoint, table basse, non, on va pas en mettre parce qu'on n'a pas la taille non plus. Ça, savoir, ceci n'est pas un truc à faire. Ah, des fleurs, bah voilà, regardez. Ah oui, des beaux coquelicots. C'est pas des coquelicots, si, non? Je sais rien. Je suis pas très jardinage, méga vase de table. Si les robots pouvaient pleurer les nôtres, auraient été mieux aux larmes en concevant ce charmant vase vintage. Ok, bon, je vois pas trop le rapport. Le robot avec les vases, ça n'a pas de sens. Je rigole tout seul parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, au niveau des décorations, je pense que je vous avais montré un petit peu ce qu'il y avait, pas tout, bien sûr. Et ensuite, je vous montrerai le reste maintenant de la déco. Je vous avais dit à la fois, j'ai cherché des petites guirlandes de Noël. Et ben oui, ça y est, il y en a, regardez. Elles sont là. Donc, quelles guirlandes? Des fêtes qui sont comme celle-ci. J'aurais même dû mettre celle-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mieux que celle-là quand même. Hein. Celles-là vont peut-être plus au niveau de l'extérieur, peut-être, non? On va les enlever, on va mettre les vertes. C'est quoi? Ça me tente mieux. Ou alors ça, est-ce qu'on peut pas le mettre sur les barrières à l'extérieur? Ah, mais je viens d'y penser, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Moi, je suis trop bête. Est-ce qu'on peut... Non, non, il va pas vouloir. Ah, merde. C'est pas compatible avec les barrières extérieures. Mince, mince, mince. J'aurais bien aimé, franchement. Hein, je vous le dis parce que ça m'aurait plu. Malheureusement, il ne nous donne pas la possibilité de le faire. Bon, bah, c'est pas très grave. Qu'est-ce que ça donne si je les mets là? Ouais, parce que là, comme c'est de la vitre, les amis, je pense qu'on peut pas en mettre de partout excessivement non plus. Ouais, non, mais regardez, si, si, moi j'aime bien, ça fait un charme. Ah, si, 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 on rentre dans la catégorie, ça y est, là, tout doucement. Regardez. Ah, si, quand même, hein, hein, franchement, non. On peut pas dire GG, quand même. Est-ce que cette enceinte, on peut la mettre là et elle la virer directement?
Ouais, ça commence à prendre forme. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ouais, si, oui. J'ai oublié les guirlandes Hanouka, les amis. Faites participer vos murs à la joie des fêtes et de fin d'année avec cette guirlande sur le thème d'Hanouka. Donc, je sais pas ce que c'est la fête d'Hanouka, par contre. J'en ai entendu parler. Mais je n'ai aucun souvenir de la fête d'Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, c'est honteux de pas le savoir. Mais, c'est vrai que je suis pas le genre à m'avoir rappelé énormément de ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est assez space, voilà. Et ensuite nous avons la couronne des fêtes de fin d'année, les amis. La couronne des fêtes de fin d'année, c'est assez sympathique. Comme couronne aussi, j'en ai placé une, vous allez le voir. Maintenant. Vous allez le voir maintenant. Non, il n'a pas m'a montré. Ah si, ah d'accord. Mince. Bon, je vais vous le montrer, bougez pas. Regardez, voilà. Ici. Regardez comment c'est joli. Bon, bien sûr, ne rigolez pas, je n'ai pas pu la mettre ailleurs. Je n'avais pas de porte supplémentaire pour pouvoir l'accrocher. Ma porte ici n'est pas assez grande pour pouvoir attacher une guirlande. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir le faire. Alors, pourquoi ici, ce n'est pas pareil? Je me pose encore la question. Pourquoi ça, c'est là? Mais j'avais fait n'importe quoi ce jour-là, à mon avis. Hein. Quand j'ai fabriqué la maison, ça m'a servi à rien du tout. On va... C'est pas grave, on va continuer le prolongement de la maison. Voilà, et hop. C'est très bien comme ça. Voilà, et c'est bon, et très bien comme ça notre maison. Voilà, les amis. Pour ce qui est de la décoration de notre petit truc, hein, je pense que vous le voyez. On n'a pas excessivement grand chose hein, en décoration de maison. Voilà, je vous ai tout montré. Si peut-être les enceintes que j'ai déplacées, que j'ai vendues, c'était c'est un lecteur audio, hein, bien sûr, qui est ici, qui est sur le thème aussi. Des fêtes de Noël, les amis, oui, parce que... de fin d'année, excusez-moi, des fêtes de fin d'année. Voilà, ça, je ne vous l'ai pas dit. Et puis la table aussi, ça, je vous l'avais dit, oui, la table qui est là, qui fait aussi partie du DLC, qui est assez sympatoche, qui est en bleu rouge. Est-ce qu'on peut la changer de couleur? Non, oui, je pense, mais je ne veux pas le faire. Et donc, j'ai mis le tableau ici, les amis, avec la petite guirlande d'Hanouka. Voilà, c'est pour ce qui est de la décoration... Au niveau des meubles. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu. Parce que Raftou il dort, donc je ne vais pas le réveiller. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'elle contient cette mise à jour en vêtements pour que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Approximative. Je vais juste vous montrer. C'était juste une petite présentation. Parce que là, je voulais faire en mode accéléré, donc vous n'avez pas eu le temps de voir vraiment qu'est-ce que ça contient réellement. Le tout. On va retourner en mode construction, en mode vestimentaire. Et vous montrer un petit peu ceci. Alors, allez. Il serait bien que tu dépêches. Je chante en même temps, oui, parce que j'aime chanter ce soir. Je suis sur plein de chants. Voilà. Il y a des jours comme ça où j'ai envie de chanter. Des jours, j'ai pas envie. Voilà. C'est clair, au moins ça c'est dit. Mais puis je suis un peu malade. Je vous l'ai dit dans l'épisode de farming. J'ai la gorge. Oui, bravo Raph. J'ai la gorge qui est pas mal prise de plus en plus ces derniers temps là. Et c'est là vachement gênant. Allez, donc je vais vous montrer maintenant un petit peu, mais vaguement, hein, je vous montrerai, je ne fais pas changer de tenue complètement à mon personnage parce que je veux pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons en tenue? Eh ben, en contenu nouveau, en pull au vert, bien sûr, les amis, à bien préciser. Qu'est-ce que nous avons en pull au vert? Alors, c'est, pour les hommes et femmes, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes dessins, c'est exactement la même chose, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc nous avons ce joli petit pull... avec un gros cerf dessus. Bon, bien sûr, elle a une paire de poitrine qui est juste énorme, les amis. Oui, je l'ai un peu trop grossi. Je vais même un peu la dégrossir un petit peu. Ce que j'ai trouvé. Que j'ai gâché un petit peu. Ah, mais on peut plus la remodifier. Ah, bah merde alors. Ok, bon, bah tant pis. Voilà, donc nous avons ce beau petit pull. Oh, tais-toi, tu me saoules. Voilà, nous avons celui-ci. Et deux autres que je vous ai pas montré, que je vais vous montrer. Et ils sont passés où mes pulls? Ah, il veut plus me donner les cons. Hein, bah, oui. Voilà, catégorie pull. Ah voilà. Merci de me la rendre. Ah. Voilà. Et celui-ci aussi qui est très sympa, regardez. Est-ce que c'est. C'est des petits lapins. Oui, c'est des petits lapinous. J'adore les lapins, franchement, c'est mon kiff. Voilà, nous avons des beaux petits lapins qui sont juste là. Regardez, sur le truc. Avec un beau pull d'hiver. Bon bien sûr, ce sera tout des pulls avec des cols roulés.
et celui-ci aussi, qui est aussi pour femme, et qu'on a en homme, exactement le même, sur Raftool. Donc on va mettre celui-ci pour notre personnage, pour elle, avec un petit pantalon rouge, et oui. Voilà, regardez, comme ça sera assorti avec Raf. Ah. Prête à les marier. Ouais, on va lui mettre des chaussures rouges. Et oui, j'aime bien pas changer trop les couleurs, les amis. J'aime bien garder dans le thème que j'ai commencé en vestimentaire. Voilà. Pour ce qui est de ceci, les amis, vous avez vu les pulls en vestimentaire. Maintenant, il y a les chaussures. Les chaussures, je n'ai pas trop fait le tour sur les chaussures parce que je sais qu'il n'y a pas excessivement grand-chose. C'est celle-là? Non, mais dites-moi que c'est une blague. Non, c'est pas ça. Sérieux? Ah non, c'est ça, excusez-moi, désolé. Non, mais en fait, ça c'était pas ça fait pas partie du pack, du DLC, mais c'est nouveau dans la mise à jour qu'ils avaient ajouté. Je vous l'avais même pas montré, c'est honteux. Donc, autant pour moi, je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir montré ceci. J'y mérite que vous m'engueuliez. Ouais, non, c'est moche, c'est très moche. Je préfère celle-ci qu'on avait prise déjà tout à l'heure, elles étaient beaucoup plus sympatoche. Voilà, en pompe, elles étaient super jolies, moi j'aime beaucoup. Donc on va garder celle-ci, voilà. Donc pour ce qui est des vêtements, les amis, vous avez vu approximative à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais vous montrer les chapeaux. Si j'oublie rien, bien sûr. Chapeau. Où est-ce que ça se trouve? Ah, il y a eu du nouveau en truc? Non, bon ça c'est Madame Hogdog, hein. Vous connaissez Monsieur Hogdog. Nous avons aussi bientôt, Madame Hogdog. Et oui, non. Chapeau, où est-ce que c'est? Alors c'est peut-être là-dedans, c'est dessus. Voilà, les chapeaux, voilà, c'est dans le nouveau. Et oui, quand il y a du nouveau, les amis, vous ferez attention maintenant, comme vous avez le petit truc doré, ça veut dire que c'est du nouveau contenu à bien préciser. Alors, donc en chapeau, nous avons eu... ça, mais qui ne fait pas partie du DLC, par contre, ça celui-ci, mais les nouveaux aussi, je vous l'avais peut-être pas montré aussi, c'est peut-être normal, qui en fait partie. Voilà, et nous avons les bonnets, bien sûr, nous avons celui-ci, qui est très sympa, et celui-ci avec le cerf, bien sûr, que je ne mettrai pas, parce que nous avons, sur Raftouille, mis celui-ci, donc on va continuer dans le longement. Voilà, pour ce qui est... des vestimentaires. Donc c'est vrai que les amis, vous voyez, on n'a pas excessivement grand chose vestimentairement, mais ça suffit bien amplement pour faire de beaux personnages que je reconnais qui est très joli aujourd'hui. Voilà. Donc on va sauvegarder la tenue. Et pour notre petit personnage, donc comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Lucie, voilà, excusez. Non, Lucie. Oh, pardon, désolé. Non, Julia. Je dis Julia parce que c'est... on va dire c'est un petit truc que j'aime bien ajouter. Jules, c'est le petit accent qui fait que elle est magnifique. Non, voilà, donc je vous dis n'importe quoi les amis, je suis vraiment la crève me remonte au cerveau, je crois que là ça va pas du tout. Moi, faut vraiment que je me soigne un peu plus. Temps de chargement interminable. C'est les chargements sur ce jeu me gonflent vraiment sévèrement, parce que je pensais que durant les mises à jour, je pensais qu'ils allaient corriger au moins les temps de chargement, mais qu'en fait pas du tout. Moi je trouve aucune amélioration au niveau de ça. Je trouve aucune amélioration. Après c'est vrai que le gameplay en même champ, on va dire laisse ça un peu de côté, on l'oublie un petit peu. Voilà, donc voilà, nous avons les Raftouille et Julia qui sont habillés pareil vestimentairement, c'est plus sympa. Voilà, et on va rentrer dans la maison, et je pense que vous avez peut-être remarqué, c'est l'effet bleuté de la lumière. Et oui les amis, parce que j'ai tout mis bleu dans la maison, j'ai mis les lumières, du moins excusez-moi, toutes les lumières bleues, toutes les lampes, oui, merci de me donner, non, il veut pas, d'accord, ok, il veut pas me sortir la lumière, putain, mais oui, mais régler la couleur et l'intensité de toutes les lumières, oui, toutes les lampes. Ah d'accord, on peut pas. Ok, voilà la poubelle quoi, il est superbe. Ouais, bon, cool. Alors, je pourrais bien sélectionner le néon quand même, ça serait sympathique si on pouvait. Éclairage automatique, régler cette lampe, toutes les lampes. Et il veut pas me le sortir. Ah si, c'est bon. Ok. D'accord, quand on met bleu, voilà, ça fait bleu quoi. Non, ça fait trop blanc. Ah, blanc, regardez. Vous aimez pas trop? Non, moi je suis pas fan non plus. Je suis pas fan, non.
Je vais reprendre ma couleur. Toutes les lampes. Il veut pas me le sortir, vous voyez, c'est bizarre ça. Pourquoi il ne veut pas? Ça me fait chier. Bon, on va le reprendre, c'est pas grave. On va reprendre par là. Cette lampe, toutes les lampes. Et on va faire un bleuté comme ça. Non, c'est trop turquoise, j'aime pas du tout. Trop turquoise, non, c'est pas mon fort. Bah bleu comme ça, comme on avait pris tout à l'heure, c'était bien plus sympa, voilà. Bon, je sais que ça n'a pas trop de rapport avec Noël, le bleu, mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas encore à Noël, nous sommes juste. Fait comme ça, allumer une bougie, oui, une petite bougie, voilà, juste histoire de dire deux. Non, ça... Oh non, j'aime pas, enfin... voilà, allumer toutes les bougies, regardez comment c'est beau. Franchement. Est-ce qu'on peut l'allumer? Non, on peut pas l'allumer. Ok, est-ce que ça on peut l'allumer? Non. D'accord, rien n'est éclairable dans ce machin, en fait, c'est un peu à chier. Bon, bah, ça n'a pas essayé d'éclairer. Est-ce que le Père Noël dehors... Le Père Noël... Le bonhomme de neige, on peut le faire quelque chose. Ah, il est éclairé, regardez. Oh, il est mignon. Contemplé, d'accord, ok, bon. Voilà, je l'ai ajouté ici, le bonhomme de neige, vous le voyez. Regardez. Salut, comment tu vas? J'aimerais bien changer de couleur, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais bien envie. Je vais voir si je peux changer de couleur. Oui, est-ce que je peux? Ah, ça m'intrigue, tiens donc. Non, non, il veut... Il y a un bug ou quoi? Ah si, excusez-moi, c'est moi, désolé. Vert, non, bleuté, non. Rouge comme ça, non. Oh, vert, il est plus sympa. Voilà, ça fait plus la couleur in Noël et... Ça fait plus sympa. Voilà, bon, c'est vrai que le sol, il est pas trop en rapport avec le bonhomme de neige, je reconnais. Je peux pas faire l'effet de neige non plus, les amis, vraiment pas. Si je mets du blanc ici, ça va faire trop blanc et ça va faire dégueulasse. Ça ferait une maison toute blanche et là j'aimerais pas du tout. Voilà. Alors on va s'allumer un petit feu les amis. Voilà. Allez Raftouille, arrête avec l'ordinateur. Et on va essayer de trouver une carrière aussi pour Julia. On va essayer s'occuper d'elle. Ah. Voilà. Voilà. Je joue pas trop avec le feu, toi tu vas te cramer les doigts. Qui demande qu'il est con. Nuko. Voilà. Et on va se mettre à se réchauffer. Et toi si. Bah non, il est parti se coucher. Oh, putain. Elle me tue cette bonne femme. Bon, bah commence bien. Regardez comme elle est bien sapée pour aller se coucher. Elle est bien coiffée. J'aime bien sa coiffure. Je l'ai changée. Bah vous l'avez vu de toute façon. Alors, est-ce que je rajoute des petits sièges ici, les amis, devant la cheminée? Je viens d'avoir la petite idée d'un coup parce que c'est plus sympa des petits sièges devant la cheminée comme ça. Ça fait sympatoche. Alors on va en rajouter. Bon, c'est sûr, c'est l'épisode un peu grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons en siège? Oh, on va pas mettre des trucs super high-tech classe. Hein, c'est vraiment des petits trucs. Voilà, comme ça. Siège grand confort. Ouais. Ouais, ça peut être sympa ceux-là. Ils vont bien dans le. Ouais. Non, comme ça, non, ça va pas. Non. Un peu style chalet de ski, vous voyez. Ça fait sympa. Ouais, on va en mettre une là et une à côté. Voilà, comme ça. Il pourra se mettre avec Julia. Ici, pour pouvoir contempler le feu tranquillement. Sympathiquement en lisant un petit livre. Par contre pour les livres je ne sais pas parce que je n'ai pas mis de comment on appelle ça, de bibliothèque. Vous voyez, j'ai en train d'y penser tout juste à actuellement à une bibliothèque. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors une bibliothèque, ça serait bien si on pouvait en ajouter une. Je voudrais une bibliothèque par contre très high tech. Voilà, comme celle-là, elle est très sympa. Elle est sympa, très jolie. Et puis elle suffit amplement, elle est pas très grosse en plus. Donc comme ça elle fait vite vue. Est-ce qu'on peut la mettre là, celle-là? Ouais, allez, c'est bon. Eh ben, vous voyez, notre petite maison, là, les amis, prend son charme. À petit feu. Alors, lire quelque chose, lire, acheter des livres, ouvrir. Ah. Ouais, lire. Qu'est-ce qu'on peut lire, alors, les amis? Nous avons Gaston Spiel. Ah, mais c'est elle qu'on conduit en... Qu'on conduit. Qu'on contrôle, excusez-moi, les amis. On contrôle elle. Donc, nous, on va contrôler lui, plutôt. C'est lui qui va se mettre à lire. Lire. Voilà, et tu vas lire, alors l'amour, livre, l'amour au temps des sandwichs. La première licorne, la balançoire, le fermier n'est plus un geek. Non, non, n'est plus un geek, pourquoi je dis geek, moi? Le livre, la belle prise, ouais, livre, belle prise, oui, parce que nous avons une belle prise avec la Julia, là, je vous le dis, moi. Hein. Ah. Mais non, mais je t'ai mis des sièges ici, mais des cons, lui. Bon, vous savez quoi, il est un peu clampin, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Tant pis.
People lui, par contre, vous voyez, on a toujours cet effet flouté qui est présent. Ça me. C'est dommage quand même qu'il soit encore présent ce flou. Ah ouais, ou c'est moi alors qui plane, mais moi j'ai cet effet flouté. Ouais, non, vous trouvez pas? Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, là il est en train de lire, donc à mon avis il est en train de s'instruire le con. Non, non, bon, il s'instruit rien du tout, oui. J'aurais bien aimé qu'il s'instruit un petit peu au niveau de sa lecture. Alors lire quelque chose, lire. Est-ce qu'on peut. Il n'y a pas de livre sur le niveau. Coïncidence, non, on s'en fout un petit peu. Non? D'accord, ok. Ah, en gros, faut les acheter les livres. Est-ce qu'on peut en acheter? Là, c'est bien dommage par contre qu'on n'a plus le truc Tiens, une livre. pour pouvoir sortir, aller en magasin, acheter des choses comme on faisait avant. On pouvait faire des courses pour la maison, on pouvait faire des tas de choses. Et c'était vraiment sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, bricolage, attention aux doigts. Bricolage, gare aux étincelles. Bricolage, carte routière vers l'amour. Il est sympa quand même. Charisme. Charisme, comédie. Ah, ça, comédie. Comédie, on va prendre comédie, les amis. On va en prendre un. Niveau 2, niveau 3. Voilà. Voilà, nous avons acheté 3 livres, les amis. Et on va lire. Ouais, la comédie, les amis, je pense que ça pourrait être sympa de lire un peu de comédie. On va essayer de le faire monter en comédie, comme ça on gagnera un petit peu plus de trucs. Et je sais qu'il y a des objets à débloquer en plus en mode comédie. Donc, mais sont où mes livres alors que j'ai acheté? Ah, d'accord, ok. D'accord, ils sont dans son inventaire à ce couillon. J'ai rien dit. Eh oui. Faut bien préciser. Voilà. Ah, mais j'ai fait le bête. Par contre, il y a un petit truc auquel j'ai pas réfléchi avant de le faire. Ouvrir, lire. Voilà. Et on va lire, connaître la comédie, la blague numéro. Non, pas placé dans le monde. On va plutôt le revendre. Pour combien? De cette pile. Oui. Merci. On a tout vendu, les amis. Comme ça, on garde rien du tout. Ouais, bah, il continue à lire en mode. En mode truc, le mec. Bah, la fête, ça sera pas pour cet épisode, à mon avis, les amis. C'est quasi coup sûr. Est-ce que Julia, qu'est-ce qu'elle fait? Julia dort encore. Bah, Raph, écoute, tu lis un petit livre tranquille. Parce que pour le repas, à mon avis, les amis, je sais pas si je vais faire préparer Raph tout pour le repas directement au niveau de la cuisine, comme ça, bah, en même temps, il cuisinera. Et puis, il gagnera un petit peu de compétences au niveau de cuisine. Parce qu'il faut avouer que ses compétences chez lui, elles ne sont pas Où tes au choux? fort du jour. Elles ne sont pas au fort du jour. Alors, je sais pas si je vais pas prendre Julia. Ouais, madame, elle dort. Bon, bah, dort, Alors, oui, vous pouvez voir, je gueule plus dans le micro, les amis, ce que j'ai remarqué. Quand je parle trop fort, que mon micro arrive à saturation. Et déjà que j'ai un son complètement pourri avec ce micro, et j'ai beau le retravailler qu'Audacity, c'est pas facile du tout. Voilà, c'est vrai que le truc est un peu hors sujet du jeu. Mais ça rentre un petit peu en ligne de compte. Voilà, donc on est en jeune adulte. Est-ce qu'il arrive à s'instruire un petit peu cette espèce d'intello là? Ouais, il s'instruit, regardez, au niveau de la compétence comédie. Surtout qu'il n'a pas la compétence dans ce domaine comédie, niveau 2. 27%, d'accord. Ah, et bah jusqu'au niveau 2 là. Dès qu'on réalise que la vie entière est une blague, devenir humoriste devient le seul choix de carrière logique. Ok, donc en fait on a pas mal de petits trucs en mixologie. Ouais, sympa, mixologie. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme. En comédie, elle a 1, cuisine 1 et mixologue 1. On va essayer de lui faire monter un petit peu aussi au niveau des trucs. Au niveau des trucs. Voilà, on va mettre par contre un petit fond musical, les amis. Qui a été ajouté avec le pack, avec le DLC, qui est. Musique, non, fête de fin d'année. Voilà, très sympathique, très très calme. Régler le volume, éteindre, changer la station. Ouais, on va laisser en moyen. C'est classique, classique, classique. On peut même pas danser un slow avec. Ça, par contre, c'est très très con qu'on puisse pas danser de slow actuellement. Bon, il a fini de s'instruire, lui, ça y est, il est content, hein, il est content, il a lu. Non, il a pas fini. Oh, le Rumbi. Ce livre-là, mon coco, j'aimerais bien que tu le ranges un petit peu à sa place. Bon, les murs sont pas finis de décorer, je sais. C'est dégueulasse, je m'en doute bien.
Est-ce que ceci, je peux le virer, refoutre dans l'inventaire un petit peu parce que voilà, on n'a plus l'utilité pour le moment. Je pense que on a déjà tout ce qu'il nous faut, nous. Voilà. Oui, reprends, s'il te plaît. Bon, il est 2h30 du matin sur notre personnage. Je pense qu'il va y se coucher. Voilà. Allez, va faire dodo, mon ami. Par contre, est-ce qu'il va dormir? Parce que vu comme elle est là, je sais pas s'ils peuvent dormir dans le même lit vu qu'ils ne sont pas ensemble. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Peut-être. Est-ce que elle va partir? Eh bah oui, elle part. Ah merde. Va falloir que je trouve une solution pour qu'il puisse. Bon bah là, c'est dormi de toute façon. Je suis désolé, ma grande. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, oh là, par contre, je vais essayer de dézoomer un petit peu parce que les déplacements se font très très lentement. Alors, oui, tu vas cuisiner, ma grande. Ok, cuisiner. Eh ben, elle cuisine déjà. Bon, comme ça, elle va faire vite vu, on va la laisser faire. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle va aller cuisiner, notre Julia? Derrière le comptoir, ok. Oh, Super. c'est pas humain. Oh, c'est pas vrai. J'ai cru qu'elle avait la voix française d'un coup, là. J'ai cru qu'elle parlait, vraiment. En fait, pas du tout. Ils sont restés en mode onomatopée, les cons. Ouais, eh ben, ouais, mais tu m'as vu. Eh ben, reprendre l'œuf brouillé, oui. Mais pourquoi? Eh ben, tu le fous sur la cuisine, non? Mais elle est pas maligne, elle. Ouais, en gros, elle peut faire chier, quoi. On va foutre ça par terre. Oui. Tant pis. Mince, alors, comment on va faire ça, nous? On va dézoomer et on va déplacer ceci là. Voilà. Ah mais il cuisinera pas s'il y a un objet. C'est peut-être pour ça. Ouais. Effectivement, regardez, c'était ça en fait qui nous fait chier. C'est ceci. Gâteau. Ma poubelle. Hein. Voilà. Le gâteau nous a fait un peu chier. Luna. Oui, t'es contente, c'est bien. Voilà, on va reprendre. Voilà. Bon, c'est pas la peine de tourner du cul comme ça, la route est droite, ma grande. Voilà, et là, elle cuisine, là, on est d'accord, hein, vous voyez comme moi. Hein, est-ce que ça a augmenté, par contre, sa compétence cuisine? Parce que j'aimerais bien que sa compétence augmente un petit peu. Par contre, on voit rien. C'est quoi ce bordel? Bon, on n'est pas au bon emplacement pour pouvoir voir ce qu'ils font. C'est bien dommage, par contre. Ah bah oui, d'accord. Voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur. L'acharné, on voit celle qui s'est cuisinée, qui commence juste à cuisiner et qui s'énerve sur la poêle. Bravo, Julia. Bon, ça va, on a un bon FPS, les amis. 30, 35 FPS, ça va dans l'ensemble. Bon, ça tourne pas mal. On va pas dire que c'est pas dégueulasse. Voilà, allez, cuisine. Est-ce que je te mets les bougies? T'as cuisiné déjà, bon, bah, est-ce que je te mets tes bougies par contre? Non. Je vais trouver aussi une mission, allumer toutes les bougies. Voilà, tu te fais un petit repas en tête à tête Oh, avec ta bougie et ta table toute Howling seule et tes yeux brouillés, ma grande. Ouais, bon, et lui, par contre, où est-ce qu'il en est? Oh, il dort encore, donc on va le laisser. Par contre, elle, on va la mettre en carrière, on va lui trouver une carrière. Et je n'ai pas d'idée spéciale pour les carrières. Alors, se déplacer, carrière, non, pas foyer. Annuler le service de domestique, oui, annuler. Voilà, comme ça on paiera ça en moins déjà par commencer. Et divertissement, se déplacer. Putain, par contre, est-ce qu'on peut pas trouver une carrière? Ah si, j'avais pas vu ça. Et trouver un emploi. Voilà. Comme ça, on aura la totale. Français, t'as fini de manger? Ça c'est bien par contre, vous voyez, petit plus. Et maintenant ils peuvent rester assis, ils se déplacent plus à droite à gauche. Alors qu'est-ce qu'on lui met comme carrière? J'avais dit un peu de la mixologie, les amis. Des trucs comme ça. Donc nous avons athlète, astronaute, culinaire. Culinaire, ouais, culinaire. Ou une boisson, ouais, c'est ça. Et destiné à ceux qui veulent passer au niveau supérieur et gagner leur vie en cuisine, en branche professionnelle, chef de mixologue et mixologue. Ah oui. Donc vous voyez, ça rentre bien dans notre caractère idéal. On avait demandé mixologie, les amis. Et donc on a pris bien mixologie. Donc c'est parfait, je suis ravi que ça marche. Alors, nettoyer. Tâche du jour, préparer à manger, préparer des boissons, pas commencer.
Ok, donc il va falloir être en humeur concentrée aussi pour pouvoir préparer ça. Bon, on va se mettre allez, à faire des boissons, s'entraîner à préparer des boissons. Voilà, comme ça, notre Julia va apprendre quelque chose d'intéressant. Pour une fois qu'on lui trouve un rôle intéressant à ceci. Bon, elle est très très mal partie. La musique me gonfle. Le volume est bas. Voilà, et on va mettre prochain morceau, éteindre, changer de station. Et on va se mettre de la pop pour se mettre un peu de move. Voilà. Bon, ouais, elle est contente, elle a des belles dents. Hein, voilà, c'est elle est contente. D'accord, mais en fait, il fallait préparer des boissons et pas s'entraîner. Bon, je préfère qu'elle s'entraîne pour préparer des bonnes boissons, surtout. Ouais, on met la bouteille carrément dedans, quoi. L'intelligence de la femme. Ouais, ouais, je coupe bien ça. Par contre, en vestimentaire, hein, ça peut avoir. Hein. Ah ouais. Bon, hein. J'avais oublié que c'était aussi compliqué des fois de contrôler deux personnages. Mais après, on va en contrôler bien trop trois. Eh oui, parce qu'il faut penser que la famille va s'agrandir. Voilà. Oh, sympa, regardez quand on était avec la petite fumée et tout. Ah non, c'est vachement bien foutu quand même. Sur un point, voilà. Donc Rastou, il a assez dormi. Il est 7h, on va le lever. Utiliser. Et il va manger après. Et puis après, on va... Et après, prendre le petit déjeuner. Œuf brouillé, toast, pancake et flocons d'avoine. On va se faire des pancakes. Voilà. Elle s'est fait des œufs brouillés. Pourquoi pas de nous. Voilà, donc elle avance bien dans sa petite dans son avancement là de sa carrière. Ça c'est bien. Comme ça on pourra commencer à préparer le reste. Ah par contre, je suis en train de réfléchir les amis, parce que c'est bien, on a fait une pièce. Mais si on a un enfant, on fait comment? On a fait une pièce la dernière fois, mais j'ai pas réfléchi à la pièce. On va le mettre où l'enfant? Est-ce qu'il va falloir qu'il passe par là? On fera qu'on la mette par là, ou alors est-ce que là-bas on a de la place? Parce que là-bas on avait mis la salle de sport, malheureusement on n'a pas pu ah ouais, là j'ai pas réfléchi sur ce coup. On verra de toute façon s'il faut pas déménager, on verra si on déménage ou pas. Il y a des chances qu'on déménage, hein. J'ai envie de changer un petit peu des fois, prendre une nouvelle maison, prendre des nouveaux lieux, prendre des nouvelles choses qui changent un petit peu du quotidien. Toujours la même maison, toujours les mêmes choses. J'aime bien changer. Voilà. Raph, écoute, je préfère que tu arrêtes de dormir. Je suis déjouillé. Voilà, bon, il est mal à l'aise, ça commence bien l'affaire. Bah oui, mais. Oh, that's cool. Voilà, fais vite pipi. Voilà. Est-ce que après il y a une interaction les amis? Vous savez quand Julia prépare la boisson, est-ce que Ratouille peut-il l'encourager? Est-ce qu'il peut le... Eh ben ça je ne sais pas les amis, parce que on va découvrir ça ensemble. Ah par contre regardez, on voit dans le miroir que c'est complètement dégueulasse. Mibor. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a moyen? On va essayer, on va regarder ce qu'on peut faire. Insulter, complimenter sincèrement, non on peut pas. Plus de choix, amour. Technique de la complémentaire apparence, moi c'est la personne célibataire, poser une question risquée et la draguer, ouais, pourquoi pas. On va passer à l'attaque directe, on mange et on fait ça. Bon, on va attendre qu'il finisse de faire à bouffer. Voilà. Incendie. Oh merde. Ouais. Mais je crois qu'on avait mis un truc spécial. Tu l'as découvert un incendie. Ouais, et le feu. Oh putain. Oui, attends. Mais oui, c'est vrai qu'on avait mis des alarmes spéciales et tout. En cas d'incendie. Allez. Elle se barre elle en plus. Il est tendu. Mais non mais. Il fuir là. Bah oui mais. Il est lent en plus. Ah il peut pas. Ah merde. Il peut pas. Oh mon dieu, on peut rien faire en fait. La maison flambe. Ah bah merde alors. Ah c'est épique. Ah ouais d'accord, la maison flambe maintenant.
Adieu vos maisons. Oh, énorme l'interaction. Alors là par contre j'avais pas vu tout ça. Bon bah. Cette interaction est disponible pour l'incendie sur le top. Hein. Je veux. Oh, regardez. C'est excellent. Bon bah écoutez, je crois qu'on a plus qu'à appeler aller dans un endroit sûr. Oh. Ouais, mais est-ce qu'on peut appeler les pompiers? Service. Acheter un service. Non. Bah il va pas. Tant pis. Ah bah en fait la maison est en train de brûler depuis tout à l'heure. Et on peut rien faire. De toute façon on aura plus de maison. Hein. Ça va durer comme ça 107 ans en fait. Et les pompiers sont pas motivés à venir. Torga. Qu'est-ce qu'il fait? Incendie éteint. Ouf, l'incendie est éteint, mais c'était vraiment très stressant. Ok. D'accord, très bien. Bon, ça a brûlé quoi en fin de compte? Jeter, bah écoutez, on va faire le ménage. Hein. Eh bah merde, alors, on n'a pas vu qui c'est qui a éteint le feu. Eh ben, on commence bien notre vie de couple, moi et elle. Ça commence très très bien cette affaire. Vous avez vu, un incendie. Au moment où j'allais la draguer. Vous voyez, jouer avec le feu est très dangereux. Tant pis. On aura tout perdu. On aura tout perdu, malheureusement. C'est bien dommage. Les deux statues qu'on aura faites. On aura acheté. Bon, tant pis, hein, pour nous. Elle est partie se coucher. Non, c'est bon. Bon, bah tant pis, on va aller faire ce qu'on avait à faire. Hein. Et on va faire plus de choix. Ensuite, hein, des complémentaires amour dragués. Voilà. C'est pour ça qu'il avait arrêté de cuisiner, le con. Mais dommage. Non. Ah d'accord, ok. Voilà le truc quand même, il a drague sur le toilette. Ouais, bon, classique. Hein. Jamais. À vous son différence. Oh, on va y aller direct. On y va franco, hein, les amis. Hein. Ça passe ou ça casse. Non, bon. Ça passe pas. Et ça casse. Larkham. Évacuer le stress. Bon, on commence bien, on a peine de se connaître. C'est déjà la guerre. Nib. Oh, bon, écoutez, apparemment, elle a l'air d'apprécier. S'en aller. Plus de choix, amour, les amis. Weymouth Brushew. Lagora. Car complémenter l'apparence. Incendie, un incendie. Encore? Oh non, j'en ai marre. Hein. Floyd Freebay, Eh vas-y, tiens, Henchwe, mais c'est une maison à feu. D'accord, en gros, faut rien mettre sur la maison. Sur le truc. Eh, mais il le précise pas, ça. Il le précise pas. Bon, dommage. Eh ben, c'est bien dommage, les amis, que... qu'on puisse pas mettre ce qu'on veut malheureusement. Nettoyer le sol. Julia, tu vas bah, nettoyer le sol aussi. Je suis désolé ma grande. Ils sont tous tendus chez moi ce soir. C'est un truc de fou. Pauvre personnage. Yes. On leur fait la misère du monde. Ah bah non, mais elle a tout nettoyé en fin de compte. Bah c'est très bien, c'est très très bien. Bah écoute, bah tu vas aller manger mon gars. Hein. T'avais commencé. Ça serait bien qu'ils finissent. Reprendre les pancakes. Bah ouais, tu m'étonnes. Toi, écoute, on va continuer à mixologuer. Prépare une boisson, voilà. Voilà. Jus avec glaçon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tangazing, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Bon. Je pense que ça doit être une boisson un peu spéciale. Je pense plus que c'est une boisson spéciale qui peut à deux qui se partage. Parce que bon, c'est un lot de deux, donc à mon avis, ça doit se partager avec lui. Quoi qu'il en soit. Lui, il en est où? Bon, ben, il a tout jeté, j'ai l'impression. Tout jeter. Ouais, bon. Eh bah ben voilà, ils vont pouvoir discuter. C'est cool ça. Regardez. Ils sont à la même place. Parler de boisson. Fenib Nitva. Hanaklets.
skooma. Voilà, elle va discuter en même temps qu'elle mange et elle prépare ses boissons. Ça fera gagner un gain de temps. Et alors, puis ils apprennent à se connaître. Julia est bien brillante. Les Sims supérieurs sont heureux lorsque ceux qui entourent sont heureux. D'accord, ok. Donc ça la rend heureuse aussi. Donc, tant mieux. Ça, c'est un bon point. C'est même très aidant. Voilà, ça c'est bien. Donc on n'aura peut-être pas de problème avec elle. Problème particulier. Demandez si la personne se met en terre, avoir son attirance complémentaire. Non, à mon avis, ils sont faits, on va se faire envoyer chier. Technique de la rêve. Tentons le diable jusqu'au diable. Bon, je suis un peu sauvage, vous allez me dire. Son censé régler le volume, je l'ai mis en bas, donc c'est bon. The North Save Pando. Tuma Fanul. Ouais, est-ce que ça a marché? Non. Frispay, yef. Ouais, ça a marché. Gelna Dizzy. Ouais, ça prend, ça marche nickel, les amis. J'aimerais bien, avant qu'on se laisse là, quand même, voilà, qu'ils puissent conclure les deux, offrir une rose, prendre une pose sexy. Ouais, est-ce que ça marche? Les deux sont joueurs. Oula. Ouais, ça va le faire. Voilà, comme ça, en même temps, les amis, ça prendra Sera un peu plus vite. Ribaza, Lamina Galpa, Vibiteb. Ouais. Skizna. Sera beaucoup plus vite. Sikafush Yekla, Yaba. Ouais. Shimagra Gorsai. Bon, écoutez, tant mieux, ça marche. Shalbo, Bempi, Gwants. On va essayer de conserver quand même le meilleur. Oh. La prochaine fois. Ouh, ça marche. Oui. Regardez, la petite barre rose monte. Tant mieux. Avouez son attirance. Ouais. Vas-y, ma petite Julia. Vas-y à la barbare. On s'en fout. Ça passe ou ça casse. Mais à mon avis, il y a plus de chances que ça passe quand même. Parce qu'on a quand même du rose maintenant et pas que du vert. Tant mieux. Par contre, la dégaine de la marche, j'ai un peu abusé. C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait. Think of flame. Ah. Ouais. Un peu dégueulasse au niveau de la marche. Ew. Bon, bah tant mieux, ça va fonctionner. Embrasser les mains, offrir une rose, prendre une pose sexy, offrir une rose. Oh, second A. Elle est très gentille, notre petite Julia. Regardez. Gacha, voici pour toi une rose. Mais tu ne piques pas les doigts, s'il te plaît. Allez, il est content. Tu m'étonnes. Le mec est... Premier baiser, les amis. Premier baiser sur une note de fin de vidéo. Sur une note de baiser. Regardez. Et tac. Et voilà, les amis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on va se laisser là pour cette épisode. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos appréciations. Merci énormément pour l'attention que vous avez partagé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Twitter et Google+. Voilà, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut à toutes